Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo très simple sur la psychologie en trading. Beaucoup de gens me parlent et me disent ou me critiquent actuellement sur certaines vidéos sur YouTube et je trouve ça super, franchement, parce que en russe on dit, vu que je suis russophone, anti-PR, etasamiruchi PR, ça veut dire que les anti-PR sont les meilleurs PR, d'accord? Sont les meilleurs public relations, c'est la meilleure publicité. Oui et non. Enfin, moi, je ne les connais pas, eux, ils me connaissent, ils me font de la pub gratos, je n'ai pas à payer pour le faire, je trouve ça génial. C'est juste super, merci, continuez, s'il vous plaît, c'est juste extraordinaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous critique, les gars, les filles, les loups, les louves de la meute, de la communauté, comme vous voulez, parce que j'ai une copine, Véronique, qui me dit, la communauté, ça fait un peu. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Ça fait un peu secte. Mais non, ça fait pas secte. Moi, je peux appeler la meute des loups et des louves, s'il n'y a aucun problème. C'est juste, voilà, de la nomenclature, etc. Bref, juste pour vous dire que dans la vie, dans le business, regardez-moi attentivement, si on vous parle mal, d'accord? Si on vous parle mal, si vous avez des trolls qui sont sur vous, des haters, que ce soit au travail ou dans la vie privée, vous savez ce que vous faites? Vous les ignorez. Parce que quand on, comme on dit en anglais, ignore them and shock them with your results. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ignorez-les et choquez-les avec vos résultats. Vous devez faire ça, c'est tout. Vous en battez les. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez une target, vous avez un objectif, vous avez des projets dans la vie, professionnels, personnels, peu importe. Vous focalisez sur cet objectif. Les gens qui vous crachent dessus ou qui vous chient dessus, vous vous en tapez. D'accord? Vous avancez, vous avez un objectif et vous y arriverez. Parce que ce qui fera la différence dans la vie, et pourquoi j'ai réussi dans la vie, et pourquoi beaucoup de personnes réussissent dans la vie, c'est parce qu'ils ont ce qu'on appelle la détermination. Si vous êtes déter, déjà, c'est 50% du chemin. 50% du chemin. Les autres 50%, ça sera la discipline, le sérieux. Vous levez tôt le matin. Avoir une hygiène de vie, manger correctement, manger sain, faites du sport. Pensez à être avec vos proches, comme je dis toujours. C'est tout. Détermination, discipline, organisation. Voilà. Ça, c'est important. Donc, laissez-les parler. Laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. Vous faites votre boulot. Allez jusqu'à votre objectif. Et même si demain, vous aviez raison sur quelque chose, ne les contactez pas pour leur dire, ah, t'as vu, j'avais raison. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez rentrer dans son livre et il va encore commencer, ou la personne va encore enchaîner et va vous provoquer et encore vous provoquer. Vous ne dites rien. Les gens verront autour que vous aviez raison. D'accord? Et la personne de l'autre côté va se ridiculiser. Ne rentrez pas dans son livre, sinon c'est vous qui allez vous ridiculiser. Ça, c'est très important. Très, très important. C'est de la force mentale, les gars. C'est comme le trading, c'est de la force mentale, c'est pas de la psychologie. Parce que, comme je vous disais, si les gens disent oui, c'est 80% de psychologie, c'est la bourse. Moi, je dis non. Il y a, c'est 80%, 80% au moins, c'est de la technique. D'accord? Bah ouais, je suis désolé. C'est pas de la psychologie, c'est de la force mentale parce que, à partir du moment, et je le dis souvent, où vous vous dites, je pense que les traders psychologiquement ils vont faire ça, psychologiquement les traders, je pense qu'ils vont faire ça parce que la news est positive donc ça va être négatif, etc. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Il n'y a même pas à discuter, vous êtes mort. C'est l'analyse technique, une fois que vous aurez bien tracé vos vagues de Wolf, vous aurez bien interprété Ishimoku. Vous aurez bien tracé vos figures harmoniques et encore plein de choses et repéré certains niveaux. C'est à ce moment-là que le graphique vous dira, je pense qu'il y a de fortes probabilités que le marché aille à ces niveaux ou sur ce rendez-vous-là ou sur ce rendez-vous-là. Basta. Si vous vous dites, je pense que vous êtes dead. Voilà. C'est la psychologie qui vous tue. C'est la psychologie qui vous tue, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais c'est la psychologie qui vous tue.
Et les mecs qui disent ouais, c'est de la psychologie, c'est de la psycho, qui veulent vous donner des leçons sur la manière dont vous êtes habillé, c'est pas la manière dont vous êtes habillé qui fera de vous le meilleur trader, d'accord? Par contre, vous devez être à l'image de ce que vous représentez, d'accord? C'est important. Encore une chose, et je ferai une vidéo là-dessus, ce sera sur la vraie vie du trader, ça va sortir bientôt. Comme je disais, vous devez être à l'image de ce que vous représentez. Donc, il y a quand même un certain dress code à respecter. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être habillé avec des vêtements qui coûtent très cher, mais avoir un style et un style qui correspond à ce que vous représentez. Ça, c'est encore autre chose. Donc, n'oubliez pas que psychologiquement, la force, elle est là, les gars. Elle est là dans le travail, dans la vie de tous les jours, d'accord? Dans votre vie de couple ou de famille, vous devez être fort ici. La force, elle est là. Elle n'est pas là ou elle n'est pas en bas, elle est là, d'accord? Ou elle n'est pas là, d'accord? Vous devez comprendre ça. Et les gens qui tapent sur les autres, ce sont des gens qui sont frustrés, d'accord? Qui n'ont pas ce qu'il faut, ils sont frustrés. Ou alors, ils veulent faire le buzz, ils veulent qu'on reparle encore d'eux pour justement qu'on aille sur leurs vidéos, qu'on aille faire plus de vues pour eux, etc. Il ne faut pas rentrer dans leur game. C'est pour ça que je ne donne pas de nom, je ne dis rien. Je suis content qu'ils parlent de moi. Continuez les gars. Continuez, vous faites le travail pour moi, j'ai besoin de rien faire. Continuez, c'est juste génial. Parce que moi, mes publications, elles parlent d'elles-mêmes. Elles parlent d'elles-mêmes. J'ai même pas à discuter. Vous regarderez, je fais au moins 75% de bonnes publications. Je suis pas un devin, je peux pas avoir tout vous dire qu'on fera 100% de ci, 100% de ça. Mais là, par exemple, si je regarde le DAX, ben moi, il y a des niveaux qui me disent on va encore redescendre. On est monté super haut, on va aller chercher le gap qui est un peu plus bas. Je vous ai donné tout ça, c'est dans mes publications, etc. Donc, restez fort dans votre tête. Restez fort, concentrez-vous, faites de l'analyse technique. Venez dimanche sur mes conférences. Vous allez éviter de perdre, d'accord? Vous ferez moins de pertes, vous prendrez moins de risques. Le risk management, je vous ferai un petit truc sur un petit cours sur le risk management parce que c'est hyper important, d'accord? Les personnes ne regardent pas mes vidéos et pensent que je ne parle pas de money management alors que c'est le numéro 1. Numéro 1, c'est le money management, d'accord? Mais la psychologie... c'est pas de la psychologie, les gens sont faibles, voilà. Je repars encore sur un autre truc, le phénomène d'ancrage, c'est quoi? C'est que vous gardez vos positions pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. J'ai des gars, moi, que je connais, ils sont sur le Nasdaq encore à 6000 ou 8000 short, ils veulent pas fermer, ils perdent une fortune, je vous raconte pas. Il y en a même certains qui doivent revendre des maisons, je ne les citerai pas, mais c'est juste pour vous dire, c'est des clients à moi. Et voilà, donc ça, c'est le phénomène d'ancrage. Vous allez garder des positions longtemps. Par contre, dès que vous allez gagner un petit peu, vous allez fermer votre position. Eh ben non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. D'accord? Il faut apprendre à laisser porter ses gains à la hausse ou à la baisse. Mais à partir d'un certain niveau, vous commencez à encaisser. C'est la règle numéro 7. Vous regarderez les règles en trading. Mais c'est la règle numéro 7 que j'ai pas encore mise, mais c'est à un moment, il faut encaisser ses gains. Voilà. Vous encaissez vos gains, 75%. Stop break-even sur la position de départ et basta, c'est tout. Force mentale. Force mentale, ignorez-les et choquez-les par vos résultats. Je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était James, le loup de Zurich. Paka paka.